tout le monde, j'espère que tous très très bien, c'était les Camelbest. C'est un retour aujourd'hui pour une vidéo et les cas points de la chaîne, puisque vous avez vu, on est fin juin. Donc l'été va commencer, hein. L'année scolaire est finie, et le rythme des vidéos, comme tous les ans que vous êtes habitués maintenant, va changer. Alors je vais essayer de faire bref, puisque mon ami Shiruga a sorti une vidéo point de 40 minutes, et c'était assez long. Donc voilà, hein, je vais essayer de faire bref, parce que j'ai pas envie que ça dure 40 minutes. Et puis j'ai moins de choses à dire que lui de toute façon, puisque lui il s'est absenté un petit moment, que moi la chaîne continue à tourner malgré tout. Donc voilà, le point le plus important c'est les let's play, donc il reste deux épisodes d'Éclat Pourpre et deux épisodes de Colosseum. Alors les deux épisodes d'Éclat Pourpre sont déjà tournés depuis un petit moment, hein. Je pense que ceux qui s'intéressent un minimum à ma chaîne le savent. Les deux derniers Colosseum en revanche ne sont pas tournés, donc il reste juste le grand final au sommet de la tour Titanite. Donc ceux qui connaissent, bon, bah, vous savez ce qu'il reste à faire dans le jeu en gros. Et puis ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est assez sympathique. Et ça va prendre deux épisodes. Donc voilà. Voilà, donc, allez, grosso modo, d'ici un mois pour voir large, les deux let's play sont terminés. Je sais pas si je ferai des épisodes bonus de Colosseum, je verrai ça. Je vous demanderai votre avis dans les commentaires dans Colosseum le dernier épisode. Et j'attendrai l'avis de ceux qui connaissent le jeu, puisque ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous pouvez pas savoir si le jeu vaut le coup ou pas. Après la toute série, si ça vaut le coup de le voir en l'esprit ou pas, mais ceux qui connaissent le jeu Colosseum, dites-moi si ça vaut le coup que je fasse des vidéos bonus ou pas. Tout simplement. Ensuite, donc une fois que Éclat Pourpre et Colosseum sont finis, je vais les deux vidéos qui tourneront, ce sera les bonus de PDM et le retour, le comeback de Emerald Merizon. Oui, je le dis à l'anglais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je le dis à l'anglaise. Donc c'est le comeback de Emerald Merizon qui va arriver. Et les bonus de Jeu Mystère qui vont continuer. Alors les bonus de Jeu Mystère, je m'attendais beaucoup à la suite, puisque là la quête de Spinda va se lancer. Hein. Bon, ceux qui connaissent la quête de Spinda, vous savez que c'est plusieurs donjons d'affilée. Et les autres, bah, vous allez découvrir ce que c'est. Et donc ensuite, une fois que j'aurai fini de tourner Colosseum, eh bien je m'attaquerai à Emerald Merizon, le comeback. Donc en gros, dans pas très longtemps, hein, puisque Colosseum, je tournais ça dans la semaine. Et Emerald Merizon, ce sera juste après. Enfin, je retournerai, ce sera le retour juste après, enfin, en termes de tournage. Et je retournerai pas mal, hein, pour pouvoir bien avancer dans le jeu, puisque je crois que je suis avant Tekia. Donc ouais. Je suis pas tout à fait à la moitié du jeu, donc voilà, donc je vais tourner à fond une bonne raison et PDM bonus, donc pas de nouveau let's play plus pour l'instant. Il faut bien finir les séries en cours, hein, sinon on se fait déborder en fait. Donc c'est pour ça que je veux pas entamer une nouvelle série pour l'instant. Hein, puisque à un moment donné j'avais trop de séries, hein, ce qui m'a forcé à mettre un let's play en pause. Mais bon, mes réseaux, je regrette pas de l'avoir mis en pause en fait, parce que il faut savoir que la 3G m'avait vraiment saoulé à un moment. Et j'aurais pu pris de plaisir en fait à tourner des vidéos dessus, donc ça sert à rien de tourner des vidéos dessus si on n'a pas de plaisir. Alors ensuite, la stratégie, donc je vais essayer de faire quelques petites séances de ladder cet été si j'ai le temps. Je vous promets rien, mais je vais essayer d'en faire un petit peu, hein, je sais que ça plaît à des gens. Et il va y avoir une ligue stratégique, celle dans Bipom, où je vais être obligé de sortir des vidéos. Alors ça m'en change pas spécialement, parce que vous savoir que sortir des vidéos à un rythme régulier, c'est pas trop mon fort. Au passage, d'ailleurs, je fais une petite vidéo, dans cette vidéo, je vous précise également que j'ai une ligue stratégique, moi aussi, mais elle est en dehors de YouTube, donc vous ne verrez pas de vidéo de ce sujet. Mais si vous voulez voir les matchs de la ligue, eh bien, je vous invite sur mon serveur Discord, dont je mettrai le lien dans la description, hein, puisque c'est vrai que mon serveur Discord, j'en parle beaucoup, mais j'ai un serveur Discord, je l'ai juste dit dans la vidéo, il est qu'à 500 abonnés la dernière fois, que j'avais un serveur Discord, mais c'est vrai que sinon, j'en parle pas beaucoup. Donc oui, j'ai un serveur Discord, il est plutôt actif, d'ailleurs j'en suis content. Donc je vous invite à aller le rejoindre, je mettrai le lien dans la description, etc. Voilà, et là vous verrez les matchs donc de ma ligue stratégique, tout simplement. Mais ce sera pas sur YouTube, hein, parce qu'en plus je dois sortir la vidéo de la ligue dans Pomme, donc j'aurai vraiment pas le temps. Donc voilà, donc pour les let's play c'est fait, pour la stratégie c'est fait. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste, oui, la Pokémon dans ton Zelda, la série que tout le monde a oublié, que personne ne connaît, mais qui existe. Alors la première vidéo a eu beaucoup de succès, donc c'est pour ça que je compte continuer la série, mais il faut savoir que j'ai pas eu le temps. Et cet été, je ne sais pas si j'aurai le temps non plus. Voilà. Mais ça continuera un jour. J'ai déjà les deux prochains sujets des vidéos. Donc pour vous dire que voilà, c'est pas prévu pour l'instant tout de suite, mais c'est pas mort. Sinon, qu'est-ce qui reste? Les EDK meilleurs de jouer pour l'instant. Il y en aura peut-être une ou deux cet été, oui. Si. Oui, il y en aura peut-être une ou deux cet été, oui, parce que voilà, il joue bien. Je pense que la prochaine. Ouais, je pense que je vais en faire une très très prochainement.
parce que ça m'intéresse. Voilà, d'en refaire, vous avez qu'à manière de jouer. Le programme de cet été, il y aura donc les vidéos dans le pom, les let's play, donc PDM et les bonus de PDM, donc ça sera vraiment des let's play, mais ça sera PDM. Et Mourad Mirizo qui sera le grand let's play de la chaîne à ce moment-là, tout simplement. Et puis ensuite, il y aura donc les LK à jouer à côté, peut-être. Et puis voilà, tout simplement, ce sera à peu près tout ce qu'il y aura sur la chaîne cet été. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes contents du programme de la chaîne cet été. Malheureusement, il n'y a pas de nouveau let's play, je suis désolé. C'est vrai que les nouveaux let's play, vous les attendiez tous avec impatience, notamment Pokémon Touch Mystère sur la tour ciel et Pokémon Bulldy Platinum, qui étaient les deux prochains let's play dont j'avais parlé. Mais ça va arriver, vous en faites pas, il n'y a pas de soucis pour ça. Ça va arriver, mais pas tout de suite, voilà, il va falloir être patient. Et puis bon, je sais que beaucoup aiment la 3G, donc ça va leur faire plaisir de retrouver la 3G. Je pense à certains, surtout Pokémon Emerald, qui est quand même un classique parmi les grands classiques. Et en plus là, c'est avec une difficulté accrue. Alors, puisque si vous connaissez pas Emerald, mes raisons, c'est Emerald, mais puissance 10 au niveau de la difficulté, voilà. C'est un peu comme Bulldy Platinum pour Platinum. Quoi. Donc voilà, en tout cas cette vidéo s'arrête ici, oui, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Non, j'ai rien oublié, me semble pas, je vous remercie toujours d'être actifs sur la chaîne. On approche des 600 abonnés, hein. Bon c'est anecdotique puisqu'il n'y a pas, je sais pas, 600 vues par vidéo, hein. Contrairement à l'ami Redemption, mais bon lui il se focalise que sur ce type de vidéo, donc c'est normal. Moi je me focalise un peu partout, et puis le gaming c'est moins populaire que la strat. Mais bon, je veux pas faire que de la strat, parce que si je fais que de la strat, je vais m'emmerder, et c'est pas ce que je... Moi, c'est le gaming qui m'éclate le plus. J'aime bien faire de la strat de temps en temps pour me détendre, mais le gaming, c'est vraiment ce que je préfère faire sur ma chaîne. Donc je me contente de faire du gaming, tout simplement. Et puis ceux qui regardent, bah, ils voient mes aventures, et puis ceux qui regardent pas, bah... Regardez pas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. De toute façon, je sais que certains ne regardent que mes caméras de jouer et mes vidéos stratégiques. Je les remercie quand même parce que voilà, ils se sont abonnés à moi pour mon contenu stratégique. Donc tout simplement, ils ont pas regardé toutes mes vidéos. Après, il y en a qui regardent toutes mes vidéos, alors eux, vous êtes vraiment vous êtes vraiment la crème de la crème, quoi. Merci à vous. Donc voilà. En tout cas, j'espère donc que ce petit télécapant vous aura plu. Donc il était assez court, mais il fallait le faire hein, pour pouvoir un peu vous tenir au topo de ce qui vous attend cet été. Tout simplement. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Donc samedi, ce sera sans doute pour un épisode des Clapours. Je pense. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Elekablebes. Ciao, bye, tout le monde.